Le Canada va lancer une ligne téléphonique aujourd'hui, ligne à trois chiffres. C'est le 988. C'est une ligne de prévention du suicide. Donc, partout au Canada, il va y avoir un numéro de téléphone facile à retenir, même en période de crise, pour obtenir de l'aide. Le suicide, c'est un grave problème qui frappe toutes les régions. Hugo Fournier est le président directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. On le retrouve en direct. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, M. Jean, merci. Merci à vous. Il existait déjà des lignes d'aide pour le suicide. Cette ligne nationale, ça ajoute quoi exactement? En fait, pour le Québec, pour nous ici, il n'y a pas de changement. On avait déjà une ligne de première ligne, une ligne pour les services de première ligne, 1-866 appels. Et l'arrivée de la nouvelle ligne 988, ça fait en sorte que les appels ou les gens qui vont appeler via cette ligne-là vont basculer automatiquement sur la ligne provinciale 1-866 appel. Donc, les gens qui vont appeler n'expérimenteront aucun changement, aucune turbulence. C'est une ligne de plus qui permet un accès de première ligne diversifiée. Bon. Ces aides-là, on le rappelle souvent parce que c'est vrai, ça fait une différence. Parce que quand les gens appellent, c'est souvent au moment de basculer. Là. Oui, oui, tout à fait. Et d'où l'importance d'avoir une proximité d'aide de première ligne. Lorsqu'une personne souffre, lorsqu'une personne ne voit plus d'espoir et qu'elle a le réflexe de dire « je vais appeler », déjà, c'est une lueur d'espoir parce qu'elle ne veut pas mourir, elle veut arrêter de souffrir. Donc, c'est important d'avoir ces mécaniques d'accès-là rapidement. Et lorsque la personne appelle, bien, à ce moment-là, des intervenants professionnels et professionnels en prévention du suicide peuvent la prendre en charge. Donc, cette ligne-là qu'on a, 866 appel, c'est une ligne d'accès, puis c'est encore comme ça, même si le 988 est là, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année pour tout le monde qui en a besoin. Qu'est-ce que vous entendez dans le reste du Canada, donc, de l'entrée en vigueur aujourd'hui de cette nouvelle ligne nationale, là? En fait, c'est un peu comme nous au Québec, c'est avoir une facilité d'accès en première ligne d'aide en situation de crise. Au Québec, cette ligne-là qu'on a, c'est depuis plus de 10 ans, 10-15 ans. On a également, depuis 2021, accès à des services numériques, entre autres, une personne qui souffre en crise veut clavarder avec un intervenant professionnel, peut le faire. Donc, pour nos amis canadiens, nos concitoyens canadiens, c'est d'avoir accès en première ligne comme nous au Québec, qu'on le fait depuis 10-15 ans. Hugo Fournier est donc le président directeur général de l'Association du québécoise de prévention du suicide avec cette nouvelle ligne 988 qui ressemble à ce qu'on avait au Québec, mais qui maintenant s'étend à l'ensemble du Canada. C'est un besoin important. Hugo Fournier, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci à vous, M. Jean. Bonne journée.